à tous, bienvenue ici au paradis à Ouvéa. Ce soir, nous sommes au Gîte Beaupré en compagnie d'une magnifique fleur des îles pour nous accompagner et pour vous accompagner, Mirabelle. Bonsoir Mirabelle. Bonsoir Sandrine, bonsoir Claudia. Ça va? Alors Mirabelle, ce soir, va nous présenter une recette à base de poisson avec une sauce du Gîte Beaupré, la sauce Lorano. Alors, quel type de poisson est-ce que tu nous as choisi? Une loge bleue, mais parce que la chair est tendre, mais on peut faire avec n'importe quel poisson, comme le thon, n'importe quel poisson. Donc une sauce qui est adaptable à tout type de poisson. Alors c'est une petite sauce, vous allez voir, bon, qui est très facile à faire bien sûr, qui est veloutée parce que de la crème fraîche, et en même temps qui a un petit côté un petit peu relevé parce qu'il y a du curry et de l'ail. Voilà. Un petit survol des ingrédients. Alors on a besoin d'un poisson. Alors pour 4 personnes, vous voyez un poisson, il fait à peu près 1,5 kg, ouais. Chose comme ça. Hein. De la crème fraîche. Des carottes, de l'huile d'olive, des oignons, des tomates, du curry, de l'ail, du sel, du poivre. Et voilà! Et de la bonne volonté. Ouais, et du beau poisson. Donc la première étape, moi je vais commencer à préparer la sauce en fait pendant que les filles vont gérer le poisson. Donc je vais mettre en fait dans de l'huile d'olive, de l'ail, de l'oignon, des carottes et des tomates. Et nous, je vous laisse agir. Mirabelle, tu nous montres comment on tranche cet énorme poisson. Alors qui a été pêché hier soir. Oui. J'ai entendu, c'est ça? C'est parti. Alors le poisson très bon, plein de phosphore pour les enfants, plein de fluor. Très plein facile à cuisiner, très rapide. Oui. Très sain. Pas de cholestérol. Hein. T'as là le coup de ma Mirabelle. Hein. Ça tranche. Et ça tous les jours. Hein. Alors le poisson, on les vide préalablement, bien sûr. En général, quand on l'achète, il est déjà épidé. Et on les caille. Les pêcheurs d'Ouvéa sont réputés et les poissons d'Ouvéa sont réputés pour être sans gratte. Donc c'est un poisson qui est non gratteux. Alors pour une recette pour 4 personnes, 2 gousses d'ail, un gros oignon, une belle tomate, une carotte. Vous coupez ça en tout petits bouts. Vous rajoutez comme moi un petit peu d'huile d'olive quand vous n'en avez pas mis assez. Voilà, et vous faites revenir. Ça va constituer donc la base de votre sauce. Alors ça, c'est une recette typique d'Ouvéa, Mirabelle? Ouais. Alors si on l'a fait... Du gîte Beaupré. Du gîte Beaupré. En plus, c'est des ingrédients qu'on trouve facilement. Il faut que ça dore bien, hein, les petits légumes. Hein, comme ça va vous faire une bonne sauce, un bon lien. En revanche, le poisson, là, une fois qu'il sera découpé... On va le faire revenir. Mais juste recto verso. Parce qu'en fait, après, il va cuire dans votre sauce... Et c'est pas la peine donc de le faire dorer avant à la poêle. Alors, le poisson est quand même un des aliments préférés des Calédoniens. On en pêche plus de 4000 tonnes par an. Et sans compter environ les 1000 tonnes, mais ça ce sont que des chiffres estimatifs, que l'on pêche le soir, enfin le coup de pêche, voilà. Que l'on pêche la journée, que les particuliers vont chasser. Et en fait, on peut pêcher donc dans le lagon, on peut pêcher derrière le récif, et on peut pêcher sur les platiers, voilà, au bord de l'eau. Et alors, on voit quand même que c'est du bon poisson, qui a une jolie chair, hein. C'est une chair magnifique en fait. Hein. C'est bien blanc là, comme ça, c'est beau, hein. Super beau. Vraiment tout frais. Vous qui avez le coup d'œil, hein, quand vous voyez qu'il est beau, Mirabelle, hein. Ben déjà avec la chair. Ouais, la couleur de la chair. Oui. Hein. La texture aussi, la façon dont elle se... Puis il n'y a pas beaucoup d'arêtes aussi. Hein. Pas beaucoup d'arêtes. Ça, c'est très bien pour les enfants. D'accord. Donc comme on n'a qu'un feu, on va se le partager. Donc on va retirer ta petite casserole pendant 2 minutes. Ah, c'est quand et vous je vais commencer à faire chauffer celle de... La poêle? Ouais, la poêle. D'accord. Hop. Alors attends, je saupoudre de curry. Donc l'équivalent de 2 cuillères à café de curry. Voilà. Parfait. Et je retire ma poêle pour laisser les filles. Claudia, formidable. Claudia, j'ai que demain. C'est la cata. Voilà, je te mets un fond d'huile. Vas-y, un fond d'huile et moi je vais mettre les tranches de poisson. Alors vous faites dorer juste le poisson des deux côtés. Tiens. Voilà. Parce qu'il aura le temps de cuire tout à l'heure, on le fera mijoter 10 minutes. Et ça c'est du poisson, hein. Mmh. C'est vraiment le paradis ici. Une grosse tranche. Hein, Mirabelle, on est bien ici, hein. Pendant que le poisson revient, nous, on va partir. Non, on va pas partir. Petit concours de vitesse, comme d'habitude. Un petit stylo, un petit calepin.
et on va prendre les ingrédients. On a besoin d'un poisson de belle taille, de deux gousses d'ail, d'un oignon, de deux carottes, d'une tomate, de deux cuillères à café de curry, de 250 ml de crème fraîche, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc nos tranches de loge bleue ont bien doré des tout deux doré. Côtés. Hop, on fait un petit coup de plat, un petit tour d'échange. Voilà, et donc on va continuer notre petite sauce. Mirabelle, je vais te demander de me passer la crème fraîche. Mm-hmm. C'est merveilleuse. Donc vous rajoutez l'équivalent en fait d'un berlingot de crème fraîche, hein, environ 200-250 ml. De la crème fraîche, du sel, tenez les filles, et du poivre. Une bonne pincée de sel, pas hésiter. Ah, Mirabelle, tu es une femme qui a le bras long, on a perverti. Alors moi, je mets plein de poivre, c'est bon avec plein de poivre. Hein. Et ensuite, on va donc mettre les morceaux de poisson à l'intérieur de la sauce. Et vous allez laisser mijoter ça pendant 10 minutes. D'accord. On y va. Tu vas y arriver ? Oh ouais. Ah, il est tellement ferme le poisson, c'est extraordinaire. Poisson pêché d'hier. Faut y aller là. Hein. Voilà. Et pendant qu'on termine donc de mettre les poissons à l'intérieur de la marmite, moi je vous invite à découvrir un homme extraordinaire qui est très connu ici, c'est un pêcheur hors pair, et je vous invite à découvrir cet homme. Regardez. Il y a toujours eu une très forte tradition de pêche en Nouvelle-Calédonie. Et si l'industrie du poisson sort plus de 3000 tonnes par an de la mer, Monsieur Tout-le-Monde en pêche plus de 1000. C'est à Mouli aussi que le soir au couchant, Jackie Mitcham se prépare à la pêche. Il ne pêche pas comme tout le monde, car son poisson doit voyager demain matin. Pas question pour lui d'oublier l'hygiène. Sa poubelle pleine de glace est le premier maillon de la chaîne du froid qui jamais ne se brisera. Le plus grand lagon du monde compte environ 350 professionnels de la pêche, fait vivre plus de 400 familles et constitue un immense réservoir d'emplois. La réputation du poisson d'Ouvéa n'est plus à faire. Celui de Jackie doit prendre l'avion pour Nouméa demain matin. Et pour cela, les règles d'hygiène sont draconiennes. Plus question de jeter le poisson au fond du bateau une fois pêché. Il doit être plongé dans l'eau glacée, saisi par le froid. Il va ainsi conserver toutes ses protéines et tout son goût. Mais ce soir, pour Jackie, la pêche n'a pas été bonne. 25 kilos. Il faudrait combien ? Oh, une quarantaine de kilos, c'est 40 voire 50 kilos. Quoi. Et ça t'arrive de faire plus ? Ah, ou... plus, oui, oui, oui. 80 kilos. En combien de temps ? En 2 heures de temps. Quoi. Un petit. Pas de chance ce soir, car si ça mord, ça mord un peu trop. Il m'a cassé la ligne. Et voilà. Ben là, je crois que la pêche est terminée avec ça. La pêche peut-être, mais pas le travail, car il faut nettoyer les poissons et les vider dès l'arrivée sur la plage. Dur métier, n'est-ce pas ? Ben, la pêche, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens que ça les intéresse, mais bon, ben, la pêche, c'est vrai qu'il faut dire que c'est dur, hein, c'est pas facile. C'est un boulot très dur, quoi. On rentre tard le soir, il faut nettoyer le poisson, il faut et après le mettre sous glace, après l'envoyer. Quoi. Le poisson, ouais, je l'envoie deux fois par semaine sur Nouméa et une fois sur l'Ifou. Il faut que ça soit bien nettoyé, propre et puis de bonne qualité. Hein, Il ne faut pas envoyer n'importe quoi, quoi. Et pas n'importe comment. Une couche de glace, une couche de poisson, une couche de glace, et on recommence. D'abord dans la glacière, puis dans l'avion. Tout ça pour régaler les palais des Nouméens. Si la pêche au thon est devenue aujourd'hui le troisième produit d'exportation après le nickel et la crevette, la pêche lagonnaire peut elle aussi se développer. Espérons que Jackie va susciter des vocations, car son poisson est vraiment bon.
Donc après avoir fait mijoter notre poisson pendant 10 minutes, voilà ce que ça donne. Résultat magnifique. De belles couleurs. On a accompagné donc notre loche bleue sauce Lorano de pommes de terre douces. On peut le faire avec des pommes de terre carie, des pommes de terre toutes simples. N'est-ce pas Mirabel? Oui. Mirabel, elle est déjà en train de déguster au niveau des yeux. Des yeux. Voilà, bah moi je vous propose les filles de commencer à déguster. Ça y est, je vous ai mis un petit peu de sauce partout. Si. Le poisson, il a bien mariné, il a un bon petit goût. Ça. Alors ça peut carrément être un plat de fête d'ailleurs. Sers-toi Mirabel. Il a l'air délicieux. Alors si vous voulez, eh bien, vous pouvez retrouver cette nouvelle dans le supplément télé des Nouvelles Calédoniennes dès la semaine prochaine. J'entendais non ? C'est excellent. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors on a choisi une recette parmi toutes celles que vous nous avez envoyées, qui est la recette de Madame Fernandez, qui est la tarte à l'avocat et au crabe. Mais pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui. Donc on la remercie. On remercie aussi beaucoup Mirabel. Je vous en prie. D'avoir été notre invitée pour ce soir. On remercie le Gîte Beaupré et Air Calédonie aussi. Et puis depuis UVA, on vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses pour l'an prochain. Et puis surtout un bon appétit avec ce poisson façon Lorena. Lorano. Merci et bonsoir à tous. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.